monde, je suis Danfield et aujourd'hui on découvre la démo de Headquarters World War II qui est un jeu de stratégie au tour par tour vraiment impressionnant. Je trouve que le jeu est magnifique et les scènes de combat peuvent vraiment être impressionnantes, particulièrement lorsque les tanks rentrent en jeu. Alors la démo est actuellement disponible sur Steam, vous pouvez la télécharger en suivant le lien dans la description et nous on va tester la campagne. Alors j'ai déjà fait le tuto donc j'espère être prêt pour celle-ci. On commence par la première mission et on continue en fonction du temps que l'on a. Vous êtes prêts? Allez, en avant. Captain Coles here. Coucou Captain Coles. Contre-attaque en Normandie. Through the beach defenses, forcing our men back past this village. Our enemies cannot be allowed to remain in Normandy, much less that village. Donc on va repousser les ennemis et capturer 3 points. Et ça a l'air d'être une contre-attaque désespérée. C'est noté. Alors, le jeu est vraiment magnifique. J'aime beaucoup le visuel pour voir qu'il y a beaucoup de détails. Très immersif. Les unités sont également bien modélisées. On démarre avec 2 tanks, un véhicule d'infanterie, 4 véhicules de transport. On a un lance-flammes, un éclaireur, des machine guns et des riflemen. Les unités bleues m'appartiennent, les jaunes se battent pour nous, mais elles sont indépendantes, on peut les recruter si on envoie un bonhomme à côté, et les rouges appartiennent à l'ennemi. Donc là, par exemple, je sais qu'il y a une unité ennemie de type riflemen, on connaît la position et le type de l'unité. Là, je sais qu'il y a un ennemi, mais je ne sais pas quel type, je peux envoyer un éclaireur, ou alors je peux tenter ma chance et me rapprocher, et il y a probablement des unités cachées, peut-être dans un bunker, dans une forêt, ou autre. Bien, alors, je voudrais peut-être commencer par recruter le lance-roquette. Donc, je prends l'éclaireur et je vais me mettre là. Ah, je crois que j'ai tué le mouton. Ah, ça a caché, mais je crois que j'ai tué le mouton sur le chemin. Regardons. Ah non, il a eu chaud. Alors, je me mets de côté vu que les unités bloquent hein, les autres. La stratégie est vraiment importante, il faut vraiment, vraiment bien prévoir les choses. Je vais faire au mieux, vous allez voir. Ça, c'est incroyable, hein, côté gameplay. Donc, je me mets là et je vais envoyer l'unité, donc l'éclaireur qui va aller là. Donc on va pouvoir recruter ça et je vais voir s'il y a... Ah bah tiens, il y a bien un ennemi là. Pas dans ce bâtiment, mais ce bâtiment est peut-être un petit peu trop loin. Je sais pas s'il y a quelqu'un dedans, mais je sais qu'il y a au moins un ennemi là. Alors je pourrais envoyer mon lance-roquette ici ou là pour attaquer, ce qui ferait pas mal de dégâts au bâtiment. Il faut voir que là, l'ennemi va réagir à notre présence et lancer son Overwatch. La ligne rouge indique que l'ennemi est à portée. Alors, on va voir. Donc, pour le moment, ça c'est fait. Je pourrais passer par là pour essayer de recruter ce bonhomme. Mais, bah tiens, je vais envoyer le tank là pour recruter le Rifleman. Alors, les combats de tanks sont vraiment impressionnants. Vous allez voir, les projectiles peuvent exploser, ricocher et tout. Et comme je vous ai dit, la stratégie est importante. Le jeu prend en compte l'élévation, l'angle d'attaque. Il y a bien entendu moins d'armure sur les côtés derrière ou au-dessus du tank. Donc si vous êtes en hauteur, vous pouvez toucher la tour et faire pas mal de dégâts. Alors toi, t'es recruté et je vais t'envoyer ici. Donc, tu vas dans le bâtiment. Donc les bâtiments protègent les unités, ça améliore leur défense. Mais les murs peuvent également bloquer des projectiles. Plus le bâtiment prend de dégâts, moins il protège l'ennemi ou l'unité, jusqu'à ce qu'il soit détruit. Ça c'est fait. Ensuite, ce tank, on va plutôt envoyer toi. Alors, si je me mets là, je vais pouvoir attaquer le gars qui est à l'intérieur. Une chance sur deux de faire un à deux dégâts. On a raté, mais on a baissé le moral. Le moral est indiqué ici. Plus il est bas, plus il y a de... Je crois plus... moins l'unité est précise. Et plus il y a de risque qu'elle se replie. Donc elle quitte sa position. À zéro, l'unité est perdue. Voilà. À savoir qu'il y a deux types d'unités. Il y a les unités corps. En gros, celles que l'on récupère à la fin de la partie. Donc on peut en lâcher de nouvelles, dans quel cas c'est des unités corps et on peut les améliorer, monter, elles vont monter en level, en XP et en précision et gagner des compétences. Et il y a les autres que l'on obtient, donc vous voyez les unités jaunes sont probablement pas des unités corps, dans quel cas elles sont perdues quoi qu'il arrive à la fin de la mission. Et chaque bonhomme peut attaquer 2 fois et a le droit à 3 réactions. Chaque attaque diminue le nombre de réactions, donc des Overwatch de 1. Ça c'est fait. Ah, le lance-flamme, je vais l'envoyer, je vais envoyer le bonhomme là.
On y va. Ok. Je vais utiliser le tour suivant, la compétence fumigène, qui met 4 tours à revenir. D'ailleurs, là, je peux améliorer le moral d'unité de 50 points, une fois tous les 3 tours. Je peux remplacer les soldats perdus. Par exemple, là, vous voyez, il y a 5 soldats. Moins il y a de soldats, moins l'unité est bien entendu performante. Je peux remplacer les soldats tous les 4 tours. Et on a un bombardement et on peut balancer un mur de fumée hein, avec l'artillerie. Ah, donc toi, tu vas là. Toi, je vais te laisser dedans. Est-ce que toi, je peux te faire avancer? Ouais, on va te mettre là. Donc l'ennemi nous a repéré. Mais je vais débloquer cette zone. Toi, on va t'envoyer là-bas. Et toi, je pense qu'on va également aller là. Attention les moutons. Ce tank. Je peux t'envoyer là-bas. Ouais, on va l'envoyer là-bas. Allez. Je veux pas trop risquer mes tanks pour le moment. Au passage, tout est destructible dans le monde, que ce soit les maisons, les véhicules, les petites barrières. Par exemple, mon tank peut probablement passer hein, au travers de cela. Dans quel cas, ça va détruire la barrière. Ce genre de chose. Bah, je crois être prêt. On va passer au tour suivant. Et là, ça va être à l'ennemi de faire le nécessaire. Ah, regardez, ça c'est une unité jaune qui se défend. Ok, 3 de dégâts, donc ils ont perdu 3 bonhommes et ils ont perdu du moral. Elle va probablement être éliminée là. Oui, elle s'est bien défendue. Alors que l'ennemi est dans une maison, ce qui est... Il a vraiment eu du bol là. Ok, eux vont là-bas. Ils vont éliminer le gars. Ok, non, ils ont juste... voilà, ok. Ouh. Ok, l'unité est perdue. Ouais, elle est détruite. Mince. Bon, bah c'est comme ça. Ok. On a perdu un bonhomme. Et on a raté en contre-attaque. Alors, toutes les unités ont le droit à 2 attaques, hein, comme je vous l'ai dit, il me semble. Et à... Oui, je vous l'ai dit, hein, oui. Je ne me rappelle plus. Pas la boule. Super, super. Oh, oh non, tu passes le bonhomme. Ok, il a raté, on a juste perdu un peu de morale. Et ils ont quitté. Ils étaient dans la maison, ils sont sortis. Ok. Ok, ils ont raté. Non, ah, eux, c'est probablement des riflemen. Ok, ils ont capturé nos réserves de carburant, il faut les détruire, je suppose. D'accord. Faut détruire. Donc je pensais que c'était un point de contrôle. En fait, non, il faut plutôt détruire la réserve de carburant. Même chose là-haut. D'ailleurs, je peux cliquer. Et ça montre l'objectif. D'accord, c'est bien ça. Maintenant. Ce tank. Je vois, on va t'envoyer là. Allez, hop. je peux rien faire de spécial ici, il n'y a pas d'ennemis. Toi, on va t'envoyer là. Lui, on peut aller jusque là. Je pense pas qu'il va se faire attaquer par l'ennemi. On va se mettre là parce que ça me permet de débloquer. Pick up a rifle and prepare to meet the Tommies head on. On est bon, on est bon. Super. Bon, alors le tank, tu vas attaquer là. Boum, désolé les poulets. Je crois que ce tank... Ah, il aurait un... Ok. Ah oui, oui, il a le droit à une deuxième parce que dans ma partie test, j'ai perdu pas mal de bonhommes et donc je pouvais pas recharger pour attaquer une deuxième fois dans le tour. On a raté. Par contre, la maison a été un petit peu... impacter toi, est-ce que tu peux attaquer? Tu peux attaquer, mais ils peuvent contre-attaquer. Si je fais ça, bon, quand même, on va. Ok, on y va, on tente. Hein. Ah, ils ont perdu du moral. Ils ont pas contre-attaqué. Si, ils ont contre-attaqué. Et ils nous ont eu, ils ont eu plus de bol que nous, hein, c'est pas grave. Allez, on y va.
Encore ? Mais ils sont démoralisés, c'est déjà ça. Toi. Je peux envoyer notre unité dans la forêt. Et tu peux pas attaquer là-bas. Je pourrais attaquer de là, mais j'ai peur qu'il me contre-attaque. C'est placé. Toujours dans la forêt, on va se rapprocher de là-bas et du point à capturer. Ensuite, toi. Il n'y a pas l'air d'avoir d'ennemis dans le coin. On fait le temps. Non, le temps ne peut pas le jeter. Okay. Toi, tu vas là. Et on va débloquer le lance-flamme. Je peux aller dedans. Il ne devrait pas pouvoir. Ou quoique, peut-être quand on rentre, ils vont pouvoir attaquer. Mais c'est pas grave, on va être dans le bâtiment. Ouais, Overwatch. Ils nous ont ratés. Enfin, toi. Ah, 4, on a fait 15 dégâts. Ok. Toi, tu as le droit à ça. Donc, 2 attaques, 3 réactions. Où est-ce que je peux te mettre? Si je te mets... On va voir, on va voir. Je vais envoyer d'autres unités. Lance-flamme. Toi. Lance-roquette. Est-ce que lance-roquette peut... est-ce qu'il peut m'attaquer, là? Je suis pas sûr. Là, j'hésite un petit peu, vous voyez. Il n'y a plus d'attaque, il y a une réaction, plus d'attaque, une réaction. Je pourrais mettre là. Ok, vous savez quoi? Je vais utiliser ça. On va balancer de la fumée là. Ça va revenir dans 4 tours. Voilà. Et donc là, leur réaction ne va plus être bonne. Je t'envoie ici. Je vais sortir l'unité là et j'espère que je peux attaquer. Je peux attaquer. Oh, j'ai pas de cinématique là, zut! Première attaque. Ils ont contre-attaqué. Ouh, ils ont fait mal! Ouh, je pensais pas qu'ils allaient faire aussi mal. On est dans la fumée quand même. Ok, on va dedans. Vous savez quoi? Ouh, là, je vais peut-être. Oh, c'est bon, ils nous ont raté. Est-ce que je redonne des renforts à cette unité? Allez, on va leur donner. J'en ai pas perdu beaucoup ailleurs. Voilà. Donc on a remplacé. Du coup. Je peux me mettre là. Et je peux l'attaquer de là. J'espère qu'il va pas pouvoir m'attaquer. Oh, 28%. Ok, au moins il est démoralisé, mais on a raté. Mince. T'as plus d'attaque. Ceux-là. Je les envoie là. caméra excellente. Et je vais les poser là-dedans temporairement. Et normalement, eux, on l'a porté. Là on est obligé de le tuer, hein. 96% de chance de toucher et un dégât au minimum. Voilà, unité détruite. Est-ce que je la rapproche? Ok, pour le moment on va la mettre là-dedans. Toi tu peux pas te déplacer. Toi on va pas aller là-bas pour le moment. Tu peux attaquer ça? Comment ça, t'as 2 d'attaque? T'as fait quelque chose? Oh, je crois qu'on a balancé du fumigène.
Ah, c'est véhicule, bah non. Mais non. Ok, je le dis. Un peu surpris, mais d'accord. Bon, ça, je peux pas en faire grand chose pour le moment. Mais tank. Mais bon. Ah, il y en a un qui avait 10 points là. Voir les mouvements de déplacement restants. Ok, fin du tour. Ok, réservoir des trucs, tu les trouves pas. Il attaque cela. Raté, parfait. Il devrait contre-attaquer et avec un peu de chance le tuer. Non. Oh oh. Oh, il y a un gars là-bas, d'accord. Mince. Pourquoi est-ce que je l'ai pas vu avant lui? Ok, 2 hits. Super. Raté, je pense, là. Hein. Ouais, raté. D'accord, t'as attaqué l'autre unité, c'était pas malin, ça. Ouh, alors toi, tu te rapproches, mais j'ai un lance-flamme, là. Alors, je fais quoi comme dégâts? Oh, 3. Et vite, parce que... Ouh. Ok, un peu bizarre, là, mais c'est pas grave. Ok. Ouh, ils nous ont fait du dégât. À nous ou à un. Oh mince. Non, voilà, on balance l'homme. Ok, ok. Ah, ah, il va rentrer dans le bâtiment. Non, il attaque l'extérieur. Mince. Ok. Ils sont dedans maintenant. Quoi, t'as... Oh mince, ils sont... ils ont beaucoup plus de bol que nous, là, je... Ouais, c'est pas top, ça. Ah, il est au moins un dégât, parce que j'ai entendu des cris. Et lui va attaquer... Non, c'est lui qui attaque lui. Allez, tue-le, tue-le. Voilà, un dégât. Ils ont plus de munitions. Ok. Enfin, ils ont plus de contre-attaque, surtout. C'est bon, c'est à moi. Ok. Du coup... On peut les attaquer, ils ne peuvent pas contre-attaquer de cette position, donc c'est parfait. Encore. Ok, ils sont éliminés. Est-ce que je peux... Alors, je vais envoyer lui, juste pour être sûr qu'il n'y a pas d'autres unités. Il n'y a pas l'air d'avoir plus de monde. Je peux pas aller là-dedans avec lui. Du coup, sur la route, est-ce qu'il y a quelqu'un devant nous? Non. Toi, je peux t'envoyer là-bas. 2 gars ont repéré notre position, je crois. Voilà, je crois qu'on est mieux protégé là. Super, et on va aller là-bas ensuite. Alors, on a 2 gars là-bas. Comment m'y prendre? Est-ce que j'utilise l'artillerie? Toi. Ils lancent flamme là-bas. Ils ont pas l'air de vouloir contre-attaquer là. Ouais, ils ont pas le. Ok. J'espère que je prends pas un gros risque. Ouais, c'est bon, c'est bon. Bon. Du monde en moins. Et. Alors, j'espère qu'il n'y a pas le feu à la maison. Hein, que je peux mettre dedans. Pour protéger cet endroit, il va falloir capturer. Ouh, mince. Non, non! Ok, toi. Ok, on va prendre lui. Ah, le tank. Essaye d'éliminer ça. Pas de dégâts. Voilà. Pas l'éliminer. Ah, ils veulent se rendre là, c'est ça? Je me mets là. Alors, je voudrais plutôt débloquer lui, mais... Ok,
Ok, je vais le débloquer lui avec ça. Je crois pas qu'ils peuvent attaquer. Et maintenant, je suis curieux de voir, vu qu'il y a 200 placements dans la maison, ce qui va se passer. Ok. Alors, parfois, il y a la compétence assaut quand on est à l'extérieur de la maison pour rentrer dedans et les éliminer. On les a eus. Parfait. Ensuite. Une chance sur deux quasiment de faire un dégât. Plus. On les a eus. Parfait. Oh bah. Ça, je me rattrape là. Du coup. Ce tank. Je sais pas trop où t'envoyer. Ok, on va te. Toi, tu vas capturer ce point. Lui peut se rapprocher, mais lui m'inquiète. Toi, je peux te mettre. Je peux pas te mettre dedans. Suite. Je peux te mettre là, mais je vais pas voir le bonhomme. Lui peut pas contre-attaquer. Je peux pas aller là-bas. Mince. Pourquoi je peux pas rentrer? Je peux quand même me mettre là pour être protégé. Dedans là, on va être dedans. Ok, alors toi, ok. Ensuite, toi, je pourrais l'envoyer là-bas, mais je pense pas. C'est une bonne idée. Pas mettre deux gars dedans, hein, je pense. Je peux aller là. Mince. Mince, il a plus de points de déplacement. Il n'y a pas encore de tank, mais c'est un jeu qui met vraiment en avant les batailles de tanks, donc je me dis que ça va probablement arriver à un moment. Toi. Il faudrait également débloquer celui-là. Je vais le mettre là, protégé par la maison. Du tour. J'essaye d'être calme et de réfléchir à ce que je vais faire pour essayer de montrer le jeu à son mieux. Oh, oh. Mince. Ok. T'as touché qui? C'est magnifique ce plan. Ah, oh, il a touché du monde dedans. Pourquoi est-ce que je vois pas le rapport là tout de suite là? Ok. Il tout... Oh, lance-roquette. Bon, c'est pas grave, je vais les soigner. Oh, il va dans le bunker. Oh non, c'est bon, il passe à côté. Enfin, le bunker, il est ouvert de notre côté, mais je pense... Il a attaqué quoi, ça? Ah, Overwatch dans mon tank. Ok. Ok. Machine gun. Je peux t'envoyer là. Même si eux... Pas grand-chose en point de vie, mais c'est pas grave.
pense pas qu'il peut Overwatch là. Mais est-ce que c'est une bonne idée? C'est pas une bonne idée en fait, parce que c'est pas grave. Ah non, il Overwatch quand je suis dedans. Ça, il a raté. D'accord, il a une chance sur 4 de nous toucher. Donc je peux peut-être sacrifier cette unité. De toute façon, on va lui faire des dégâts avant. Non, on a raté. Ok, il a raté. Ok. 82% de chance. Ah. Deux gars. Non, il l'a eu. Ok, bon. Ça, je sais pas si ça valait le coup. Là, et je peux l'avoir de là. J'aurais dû faire ça en premier. Ah, je disais juste avant que j'allais être prudent et faire. Ok. Oula. Ouh. Ok, lui il a pris 3 dégâts alors qu'il ne sont que 2. Donc. Ah, on a du monde là. Alors toi. Passe là. Ah, Overwatch. Ça devrait être bon. Ouais. C'est un impact au moral. Tu as combien en moral? 83. Toi, je peux rien faire. Toi, je peux t'envoyer dedans. Ok. Ils vont pas pouvoir contre-attaquer. Il va peut-être falloir aller là-bas. Pour bien protéger. Qu'est-ce qui me fait du Overwatch là autour? Il y a une unité ennemie dans le coin? C'est ça là? Ah, c'est parce que c'est dans ma zone de... Ouais, d'accord. D'accord, elle voit tout ce qu'il y a là. Bon, c'est pas un problème, de toute façon. On passe à ça. 98% de chance de toucher, 26 de l'être. Donc ça, c'est un bon... Ouais. C'est une bonne opportunité. Ils n'ont pas touché. Ah, là, un autre éliminé. Alors, ici. Oh, ok. On est bon. Ok. Bah tu vas dans le bunker. Oh. Un ennemi repéré. Et il est en mode Overwatch. Mais on est dans le bunker donc. Ok. On a eu un. Mince, il nous a eu également. On a quand même des éclaireurs, hein. Ensuite, ça. Je vais pas le capturer avec toi, je pense. Sans prendre trop de risques. Voilà. Ensuite, moral, tu es bon. Ici, est-ce qu'il y a du monde? C'est la question. Ah, je peux pas aller là. Je veux pas risquer le tank. Qui peut y aller? Ben, toi, un petit transporteur. On n'en a pas tellement besoin là, donc j'en ai d'autres de toute façon. Je vais voir s'il y a de l'ennemi là-dedans en fait. Non? Ok. Hop. Well done. I know for many of you that was your first time facing the Tommies. You'll see they're not as tough as the Ruskies, but certainly more slippery. They've given up on this part of the town for now. Ils ont abandonné ce côté du village, de la ville. We must hold what we've got. Support will be here soon. Oh, on doit protéger ça. Oh, oh. They'll crush us if we don't destroy them first. Ok, alors on a du tank maintenant, et il faut maintenir les trois, les deux points. Quels points? C'est lesquels les principaux? C'est celui-là. Ok, bon, on va cliquer dessus, ça va me dire. Ok, gardez ce point-là. Et celui-ci. Ben, celui-ci, à moins qu'il y ait de l'ennemi derrière. Pourquoi est-ce que j'ai un... Il y a un truc bizarre. Ok, ah, ouais. Donc ça, c'est celui-là qui va poser problème. Et mes tanks sont loin, ça m'embête. Ok, alors toi... Il va falloir t'envoyer là-dedans. Ah, on va prendre lui, on va aller là-bas. Ah, il va falloir retirer ça également. Ouais, d'accord, bon, ça va attendre. Bah tiens, justement. On va te mettre là. J'ai pas de points pour aller à l'intérieur. Comment me débarrasser de lui? Bon, alors toi, tu vas... Quoi? Ah, ah oui, parce que j'ai plus de...
peux me mettre là et je peux l'attaquer, mais je peux l'attaquer de face, ce qui m'arrange pas tellement. Je vais plutôt me mettre là. Et je vais rester derrière le bâtiment. Ok, et on va faire face. Je pense pas qu'il peut aller là, mais il peut peut-être se mettre là, il nous a traqué en diagonale. Donc je vais faire face au côté là. Très bien, ensuite. Toi. En route. Protégé à l'intérieur, mais c'est mieux que rien. Tu peux pas aller jusque là. Tu peux par contre aller là. Lui va sûrement venir. C'est peut-être mieux de se mettre là. Parce que si lui vient là, on va avoir une meilleure vue. Ok. Ensuite, ben tiens, ça, ça va être. Oh, il y en a deux. Ok, ça, ça va être un leurre. Ouais, je veux juste attirer l'attention avec cette unité. Je sais pas si c'est nécessaire, on va voir. Ok. Il va se faire détruire, il va rien comprendre. Ensuite. Il y a toi, le lance-flamme. Je vais pas faire grand-chose. J'aimerais bien envoyer le lance-flamme là-dedans, mais. On prend le risque. Allez, on va prendre le risque. Ça va aider à protéger ça. Ok. Ah, j'aurais dû peut-être l'envoyer avec ça. Ça a été mieux. Voilà. Suivant. Oula, ça rame là. Oh, oh. Ouh, ok. Non, rentre pas dans le... Non, oh, il rentre dedans. Ah, par contre, il passe en Overwatch, donc il va souffrir. Super. Super. Il attaque pas? On va peut-être qu'il attaque après. Qu'est-ce que tu fais, toi? Là, il bloque le chemin. Ah bah, quoique, il peut peut-être passer par le chemin. Ok. Ok. Ah, il faut défendre ça. Si je le perds, c'est perdu, donc... Ok. Pas surpris. Il attaque quand même. Il attaque à nouveau. Ah, ok, j'ai perdu. J'ai tenté, hein. J'ai tenté de prendre le contrôle de ça. Ça, c'est bon. On a perdu un gars. On devrait quand même contre-attaquer. Non, on contre-attaque pas. Il y a plus de... Ah oui, on avait plus de points. Ok. Bon. Les tanks sont là. Donc là, je vais utiliser l'artillerie. Un petit peu de dégâts. Ensuite, ça c'est un problème et ça c'est un problème. Toi. Alors, je peux utiliser ça contre un point de mouvement pour étirer l'épave. Oh oh! Mince! Il y a plein dedans! Ok, on a l'avantage. Il est dans un champ, on est dans la forêt. Mince.
Il peut plus faire de l'Overwatch. Encore. Bon. Bah, la route vers là-bas va être plus compliquée que prévu. Finalement, toi, tu vas rester là-dedans. Ah mince, j'ai cliqué, donc ça a annulé. Ok. On a une chance sur 3 quasiment de toucher. Voilà. Et lui ne peut pas contre-attaquer. Ok, raté là. Ah, ça aurait été trop beau. Faut protéger le point principal, donc je vais envoyer un tank. Voilà. Je me rapproche et je vais face à là-bas, au tank. Qu'est-ce qu'il m'a... Oh, il y a une unité là, d'accord. Ah, elle est en route. Ça, c'est un problème du coup. J'ai pas le choix. Mince! Alors, seules les unités mécanisées peuvent retirer les épaves. Mais ils peuvent venir avec leur tank et retirer ça, ce qui va être un problème. Du coup. Lui, il ne peut plus contre-attaquer, faire de l'Overwatch. Le choix, il faut éliminer ce gars. Et il est sur le point d'abandonner également. Là, il va devoir perdre. Voilà, ok. Bah, toi, on va attendre si tu bouges. J'aurais aimé les attaquer du côté. Si je me mets là, je peux l'attaquer du côté. Le détruire. Il vient en renfort. On va rester parce que là on va faire face aux deux. Toi. Tu vas aller là-haut. Je peux rien faire avec toi. On va t'envoyer là-bas. Tu te mets de côté. T'as pas servi d'appât, donc ouais. Ok. Alors, que va-t-il se passer là? Comment t'as attaqué Ok, on a encaissé. On a pris un dégât. Génial. Oula. Tiens. Allez, Overwatch encore, non? Non, il a plus d'Overwatch, on le voit au symbole. Ok. Super. Là, il va attaquer de côté là. Un autre qui se ramène. Il va aller dans le bunker, ça m'arrange pas ça. Ok.
tu l'as raté. Oh, une deuxième attaque, c'est vrai. Raté également. Là, je vais avoir moins de bol, là. Ouais. ça, c'est pas un absolument à protéger, mais je vais quand même me mettre là. Chance sur deux, mais ce n'est pas de chance de perdre, de risque de perdre des unités. Alors on est d'accord que ça, c'est pas un des points. Oh, c'est un point à préserver. Eh, mais c'est pas ce que... Ok, on va devoir revenir. Toi. Mince. Allez, je vais l'éliminer. Voilà, ça c'est parfait. Là-bas, we can still rely on the Tommies to make inferior tanks. German firepower will always be superior. Ok, toi tu vas là. Maintenant. On va là-bas. Alors je peux cliquer hein, pour accélérer. Je vais faire ça là. On a juste moins de retour. Ensuite. Là, tu repars. Je pourrais redonner à des soldats un tank. Et je sais pas ce qui va se passer là. Tout à l'heure j'ai cliqué, ça disait 2 et... Ok, reste dedans, ne sors pas et on n'avance pas. Parce que là je stresse. Ok, mais tu vas là-bas, ça c'est bon. Il était sorti du bunker, donc ça me facilitait les choses. Maintenant c'est la question, que va-t-il faire? Ok, c'est bon. Je vais pouvoir mettre mon tank là. C'est passé, non ? Ah mince. Non. Ah non, mais est-ce que je t'arrête parce que c'est l'Overwatch ou est-ce que tu as con... Ok, c'est bon. Je sais pas si je perds s'ils ont cap. Ils disent 2 sur 2. Donc à mon avis je peux en perdre 1, mais c'est pas sûr. Donc là.
Pas de cri, donc pas de perte. Pas de cri. Ok. À moi. Bon, alors. Toi. Ouais, il mérite. Démoralisé. Tu peux l'attaquer ? Ok, tu peux pas l'attaquer parce que le moral est. Non, je sais pas pourquoi il peut pas. Toi. On va attaquer ça au tour suivant. Ouais, je vais avoir le temps. Alors maintenant. Overwatch, je suis pas surpris. Un autre Overwatch, non? Ok. Bon, tourne vers là. Et on protège le point là. Je pense pas que eux peuvent le détruire. Ce point là est pas en risque. Hein. Faut protéger celui-là également. C'est quoi, je vais mettre le gars. Je pense pas que c'est une bonne idée, mais en attendant qu'un tank se ramène. Ah, oh mince. Lui, il va pas tenir longtemps. Voilà. Une chance sur 3, on va dire. Oh, on l'a eu. Parce que lui peut pas contre-attaquer, donc. Et on l'a eu. Super. Donc, okay, protégé. On tourne là-bas. Machine gun. Oh, oh, vous avez pas sauté par-dessus. C'est lequel qui fait ça? Ok. Je prends le risque de le mettre là. Toi, c'est le tour d'après et fin du tour. Allez. Ça a l'air bien parti. Eh, hey, le tank là! Ouh, deux dégâts, super. Et le tank? Non, c'est eux qui attaquent le. Ouais, attaquer le tank de face avec une mitraillette, c'est pas une super bonne idée. Mais il va répondre, ah ouais. Boum! Ensuite. Attaque. Toi, tu es pas en Overwatch. Et tu l'attaques, tu veux dire qu'ils peuvent contre-attaquer. Ah non, il a plus de. Mince. Ah, oh, mince. Ouh. Non. Purée, vraiment à ce point-là. Mais bon, il peut pas retirer l'épave, donc. Il faut quelque chose de mécanisé pour retirer. Super. Ça, je l'ai rentabilisé, hein, l'éclaireur. Bon. Ok, 100% de chance de faire 2 à 5 de dégâts.
2. J'ai le droit à une deuxième attaque. Allez. Non ? Il a le droit qu'une attaque, lui. Toi. Tu as 3. 2. Je vais me l'éliminer, même si je sais qu'il ne peut pas retirer l'épave, j'aimerais pas l'avoir dans le coin. Ok, toi. Voilà. Be a lesson to any who try to steal our things. Je vais pas avoir assez de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reste là. Balançant. Ah, j'aurais dû l'attaquer avant. J'aurais dû l'attaquer pour le tuer, zut. C'est pas une... Je vais le renforcer, lui. J'espère qu'il va tenir. Côté moral, tu es bon. Fin du tour. Ouh, ça, ça fait mal. Heureusement que j'ai renforcé l'unité parce que là elle était perdue. Alors est-ce qu'il va attaquer une deuxième fois? Non, il peut plus. Super. Il est démoralisé. Et il y en a d'autres qui essayent de monter. Mais non, on est bon, non? Ou il faut encore... ok. Alors, toi. Mince. Ok, j'ai pas le choix. Je tente ma chance. Ils sont dans la forêt, raté. La pensée... Bouger l'aurait tué, et il faut que je le bouge. Parce qu'il faut que je mette le tank là, donc... Ah, il y a déjà une épave! Oui, mais ils peuvent aller. Ok. Mais ça, c'est une petite épave. Ok. Voilà. Ça, c'est protégé. Tenez. Super, super, super. Toi de là-haut. Je peux attaquer personne. Ici. Non, toi. Voilà. Un autre en mont. Ici. Je ne peux pas attendre là, c'est dommage. C'est dommage. Mais je pense que... passer le tour. Alors, vous pouvez avancer, mais ça ne va pas vous aider. Bon, je vais accélérer un petit peu là, parce que sinon, elle va être trop longue. T'avances, ils ont presque tué nos gars. Vous avez combattu admirablement, comrades.
But our orders are to give up the town and rally elsewhere. On doit abandonner quand même. Command doesn't have the support for us to hold the Tommies here any longer. We're falling back to the bridges into Con instead. There'll be more D'accord. Alors, récompense, objectif primaire 500, secondaire 100 que 100 pour tout ce que j'ai fait. Ok, voilà les ennemis tués, voici les unités perdues. Ok, récompense ça, ça. Ok, finir l'opération. Ok, donc on a récupéré ces unités. Ce genre de récompense, d'accord. Gérer les unités. Je pense que je peux effectivement en acheter de nouvelles. Ouh, il y en a qui coûtent beaucoup cher, assez cher. Ce que j'aimerais bien, c'est de l'artillerie. L'artillerie est absolument géniale. Mais voilà, bon, on va s'arrêter là. Ah, la retraite vers Caen. Ok, on va s'arrêter là. Comme vous pouvez le voir, c'est un jeu bah, déjà, que je trouve très joli. Bon, on va juste lancer pour voir à quoi. Ah, c'est pas dans la démo. D'accord. Mais ouais, c'est très joli, très tactique. Immersif, et je pense que c'est un bon petit jeu de stratégie qui nous attend. Donc merci à vous d'avoir regardé, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye bye!